C'est mercredi, nous sommes en route vers le Nigeria. Sûrement vous verrez cette vidéo demain jeudi parce que je ferai le montage demain. Je suis avec Rudy. Attendez, je cherche le soleil sur nos visages. Mais on entend parler de Rudy tout le temps sur mes réseaux, mon YouTube. Au fait, qui est Rudy? Ce matin-là. Oui, vas-y. J'ai pas pris le café au moins bien. Ah, yeah, Rudy. Alors, Rudy, c'est quelqu'un qui n'a pas pris le café, elle est toujours perdue. Bah, elle a raison. Donc, sûrement à la deuxième partie, elle vous dira qui est Rudy après avoir consommé son café. Mais sinon, que je suis quelqu'un qui est la meilleure influenceuse du monde francophone. Ah, on peut se jeter les fleurs comme ça. Je sais que si j'ai la meilleure. Laissez-moi prendre mes fleurs. En tout cas, vous avez vu, non? Voilà, Rudy. Comme elle sourit là, c'est comme ça, elle est tous les jours. Bah écoutez, nous sommes en route vers le Nigeria. On va juste un peu, on va travailler, on va s'amuser, on va dormir, on a besoin de sommeil. Les yeux manquent du sommeil, beaucoup de sommeil. Donc, et ouais, on se dit à tout à l'heure, les reines, en route vers le Nigeria. Bisous! Bisous! Bienvenue au Nigeria. Nous venons juste de quitter la frontière du Bénin. Voilà. Aventure d'aller au Nigeria en voiture. So far so good. Nous sommes dans quelle ville là maintenant? On est proche de Lagos. Hein? Nous sommes proches de Lagos, donc montrer, voilà. On a traversé quel état tout à l'heure là? C'était quoi? Hey, can you say that again? Hi. Oh, on arrive à Lagos une fois. Oh. On a Yano Charge. Yano Charge. Ah, Yano. Nous sommes à Yano Charge. Donc, bon, bref, elle et moi, on aime voyager, on ne s'ennuie pas. On aime bien voyager. Rudy, oui. Tu vas donner l'interview au Renzi tout à l'heure, non? Après le café. Après le café. Après le café, le plaisir. Je vais passer. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Quand tu dis le plaisir, la femme qui pense que. Hein, avec, elle pense que... avec plaisir. Allez. Attends, ce sont les coques de téléphone. Oui. Maman. Mais tu l'avais vu. Ce sont les coques de téléphone comme ça. J'ai un marché pour ça. Pour coques de téléphone. Ikeja. Ikeja. On a montré ça la dernière fois. C'est un marché. Je sais pas comment on l'appelle. Ici, c'est la banlieue. Il y a de petites boutiques, de petites boutiques. Oh. Des boutiques où des poules ne peuvent même pas se battre. Ah bon? Des petites boutiques? Ah, waouh, regarde comment elles sont petites. Et j'ai sommé, je suis prête. Nous sommes quittés à quelle heure? 6h. Non, 8h. On a démarré à 8h. On a quitté la maison. On a quitté la maison à 7h. À 7h, oui. Mais on a quitté la frontière. 8h, je pense qu'il était 8h30 comme ça. Ah, le temps de faire les formalités. Oui, 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 oui. Donc, il est actuellement quelle heure? Tu as quelle heure là? 11h30. 8h, 9h, 10h, 3h. 3h, 10h. Parce que nous ne sommes pas loin déjà. Donc, je suis fatiguée, je veux me débarbouiller, manger, dormir. C'est tout ce que j'ai envie de faire là maintenant. On va visiter le Nigeria le soir. Ah. Just wait for me at the camp. D'accord. En tout cas, je me rendrai chez toi. Nous sommes maintenant sur le pont. Le pont s'appelle comment? Tu as une idée? Nous sommes sur le pont. Apparemment, un côté, il y a des riches et un côté, il y a des pauvres. Donc, ici, vous voyez toutes les maisons. Voilà, les petites maisons là-bas. Vous voyez? Au Nigeria et je vais vous montrer mon appartement. On y va. Alors voici l'appartement où je suis à Victoria Island avec Rudy. Elle est juste là, elle est au téléphone, je m'excuse. Voilà, on a une télé là. On a des jeux, une petite salle à manger. Ne nous calculez pas, on vient d'arriver, donc
Je porte le t-shirt d'une de mes élèves. Sa société s'appelle Matfa Wear. Donc, elle m'a offert ce t-shirt à Abidjan. Je vais laisser son site en dessous. Allez prendre si vous êtes intéressé. Voici à quoi ça ressemble. Et ma ceinture n'est pas au milieu. Donc, encore, voici le salon. Ici, ce côté-ci, c'est la télé. Ça, c'est la porte centrale. Là, on a un petit jeu. Là, on a la salle à manger. La cuisine est là-bas. Adam est à la cuisine. Lui dit, fais un coucou. Elle est au téléphone. Ici, c'est la chambre principale. Donc, il y a le placard. Et bien sûr, il y a le lit qui est là. C'est mon sac que vous voyez là. Donc, voilà. Là, il y a la douche. La deuxième chambre est là. Donc, c'est la chambre de Rudy. Je pense qu'elle a déjà mis ses trucs. Vous voyez, non? Donc, je ne suis pas partie là-bas sans permission. Donc, voilà les reines. On va relaxer, on va manger, on va se reposer. Et dans la deuxième partie de ce vlog, vous verrez la suite. Bon, je vais m'arrêter là parce que I'm tired, je suis fatiguée. Elle essaie de faire comme moi. Sérieux? YouTube va te voir en train de faire les choses comme moi là. Sérieux? Je ne veux pas. Bon, c'est Rudy qui essaie de faire comme moi. Elle dit qu'elle ne peut pas, c'est trop de travail pour elle. Elle ne peut pas. Rudy, tu n'as toujours pas pris ton café. Il faut que je ferme cette vidéo. Il faut que tu t'introduises auprès des reines. Donc, je suis à la dernière partie de ce vlog. Oui! Hein? On va d'abord manger. Donc, tu me dis, je dois rajouter la fin de ce vlog. Oui, il faut faire un café comme ça. Moi, je ne peux pas faire de vidéo après avoir mangé. J'ai les joues et le ventre. Deuxième journée ici au Nigeria. Hier était une journée vraiment incroyable, je vous raconte. Alors, après avoir fait toutes les vidéos que nous avons faites, nous étions épuisés. Adam est parti nous acheter du bon jollof rice avec du poulet. Oh mon Dieu, c'était juste miaou. On a mangé, 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 mangé. Et quand on a fini de manger, chacune est tombée de son côté. On a dormi. De 15h30 jusqu'à 18h, on a dormi. Nous nous sommes réveillés. Tata Sidibé m'a appelé et je suis partie la rejoindre au Fashion Week Pre-Party. Donc, je n'ai pas pu filmer le Fashion Week, mais allez sur mon Instagram. J'ai laissé toutes les photos et les vidéos là-bas du Fashion Week. Nous sommes à l'ascenseur. On reprend après. Hors de la boutique. Nigel. Let me show you guys the view of the apartment. Thank you, Adam. Donc, les reines, comme je vous disais, on s'est amusé jusqu'à... Tout est sur Instagram. Allez regarder. Et aujourd'hui, nous sommes sortis pour aller faire un peu de shopping. Donc, on va faire le shopping, on va se coiffer parce qu'il est temps de changer ça. Et après, on va aller s'amuser ce soir pour le Fashion Week lui-même. Hier, c'était le pre-party. Ce soir, c'est le party lui-même, la fête elle-même. Avec le star. Regardez comment la peau de Rudy brille. Regardez le genou. Ah, nous sommes à Lekki là actuellement. Beaucoup d'embouteillages. Hein? Beaucoup, beaucoup d'embouteillages ici. Lekki, c'est une ville à côté de Victoria Island. Nous nous sommes logés à Victoria Island. Donc, comme nous sommes en train de faire les courses là, nous sommes venus jusqu'à Lekki. Là, vous allez de Lekki's Mall. Il y a un mall là. Là, la voie est ouverte. Ce dont je te parlais, Studio 24, oui, oui. Où on fait ça? Tu disais qu'il y a Studio 24 un peu de partout. Ouh, regardez le choukouya. Nous sommes arrivés où nous sommes en train d'aller. Donc, Adam, c'est pas ici, vous avez vu la boutique là? C'était ici? Oui, ah oui, je parlais de la boutique Bell Secret. Ok, ok. Vous savez, Rudy et moi, on vous garde beaucoup de surprises. Donc, elle n'a toujours pas fait son introduction. Elle l'a laissée dans son coin. Le jour, elle va boire le café là. Elle va faire introduction. Pour le moment, laissons-la dans son coin là-bas. Elle n'est même pas coiffée aujourd'hui. Donc, elle est là-bas. Fais un coucou au moins. Bonjour. Ah, tu es belle avec vous. Regarde. Oh, laissez tomber. Regardez les béninoises. Vous savez comment coloniser, non? Donc. Ok, nous sommes arrivés. Merci. On y va. À tout à l'heure. Oh, thank you so much, Adam. Rudy, regarde les bras. Tu es? Non? Ok, les reines. Vous savez que faire le shopping, ça guérit le stress, n'est-ce pas? You have something like that. For me? Yes. Ah! Let me buy, Adam. You may say I have something and everything's gonna be like, nope.
We don't need that anymore. You already have it. Quand tu te fais coiffer au Nigeria, ce soir c'est la Passion Week elle-même, donc je suis invitée, donc il faut que je me fasse belle. Donc j'ai pas pu trouver une coiffeuse qui allait venir directement à mon appartement, il a fallu que je me déplace, ce qui n'est pas un problème. Il est très lent, apparemment il coiffe bien, mais il est très lent. Je suis assise là, ça fait 1h30, et depuis 1h30, même lycée, ça c'est un être humain, là, je pensais que c'était une poupée. Bref, aujourd'hui je suis blonde.